Eh oui, 19h, on y retourne. Comment ça, j'ai encore gardé mon casque? Non, c'est quoi ça? Non, mais c'est rien, c'est le. Oui, bah j'ai vu l'année. Parce que aujourd'hui, c'est encore un stream sur un shmup. Et un shmup, il est pas tout neuf, quoi. Faites voir là. 1982. Pourquoi je ricane d'avance? Bah, parce que vous connaissez mon amour pour les shmups des années 80. Faut savoir que je les ai vécus en vrai, hein, pour certains. Il y avait quand même de sacrées bouffe-pièces hein, dans le lot, mais il n'y avait pas beaucoup de jeux en fait. Donc en général, quand on me dit shmup, années 80, j'ai tendance à un petit peu me méfier, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, on a un shmup qui envoie du steak, quoi. Regardez-moi ce visuel. Scorpion. Eh oui. Alors j'en vois déjà qui sourit aussi. Eh ben, vous l'avez peut-être connu, c'est bien. Par contre, j'irai pas vous dire que vous avez eu de la chance parce que je suis pas persuadé que ce truc soit particulièrement jouable. On va regarder ensemble si je suis médisant d'avance ou pas. Je quitte le casque. Non, moi j'ai dit que je faisais tout le stream avec le casque. Hein. Comment ça, j'aurais pas de main libre du coup? Mais pff, oh, tu t'es en train de trahir tous les trucages là, c'est pas sympa. Allez, Scorpion, ramène ton fion. Et oui, voilà, ça décompresse, et oui, les ROM 8 bits sur un Z80, hein, faut le temps. Hein. Vous la sentez, cette euphorie qui monte en vous? Vous avez, vous aussi, du mal à la cacher. Et regardez-moi ce gameplay. Ah, il n'y a personne qui a osé mettre son nom, hein, vous avez remarqué. Les mecs, ils ont dit, non, nous, on met pas de nom là-dessus. C'est Monsieur Smithy qui l'a fait. Il y a des points. Il y a des gros monstres. Il y a ma grosse fusée, regardez-moi ça. La hitbox, j'imagine même pas ce que c'est. Ça doit être tout le vaisseau plus la tuyère. Ça, c'est de la démo, moi. Tu comprends direct que les araignées, faut pas. Après, elles essayent de t'encercler. Alors ça, c'est quand même une nouveauté. Après, il y a du décor à la Scramble qui part en sucette. Et les. Par contre, les tirs boulettes à 1 pixel, je sens que ça va semer un certain désaccord entre nous. Comment il passe là? J'irai jamais jusqu'à ce niveau, c'est clair. Je spoil un peu. Ouais, tranquille, Raoul. Rien que d'avoir vu ça, j'ai envie d'arrêter le stream. Oh purée, pourquoi j'ai dit oui? Ouh, vous êtes digitalisé. Alors surtout, faites pas comme j'ai fait au stream de lancement pour vérifier la gueule du truc. Les boutons de tir sont inversés, donc j'ai 3 missiles pour quand ça va vraiment être la panique. Bah, je les ai balancés dès le début de la partie, hein, quand j'ai essayé la première fois. Ce qui fut une grave erreur. Hein. Ces araignées qui tissent de partout, c'est vraiment dégoûtant. Et moi aussi j'ai un tir de 1 pixel quoi. J'aimerais bien avoir une hitbox de 1 pixel les gars. Comment ça, c'est pas possible? Oui, bah oui, il faut rentrer la monnaie, je comprends, mais. Non, je n'arrêterai pas de tirer parce que je suis inquiet sur ce qui va m'arriver. Et oui, à la répète, je suis pas allé aussi loin. Et j'ai bien l'intention d'affronter un boss. Parce que c'est pas que ce soit répétitif là, mais il me semble que des araignées, on en a vu quelques-unes déjà depuis le début. Et tu redémarres au démarrage. Ouais, ça fait pas ça. Ok, un côté scrambler. Le fuel, là, on sait pas trop pourquoi il. Quoi, quand? Hein? Des tirs à un pixel, non, je peux pas. Je ne valide pas ça. Le tir à un pixel, tu arrêtes. Tu fais même pas ça à quelqu'un que tu détestes profondément de manière congénitale, quoi. Sûr qu'on va continuer, mais pas du début. Tu as. Non. 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 Non, tu fais pas ça. J'étais parti dans l'idée de vous faire voir un boss, mais je pense que ce sera pas aujourd'hui. Hein. On n'en était pas loin. On va se remettre la démo pour voir le boss si vous voulez. Parce que je pense pas j'aurai la patience de piou piou piou. Parce que entre la variété des ennemis, la variété des décors,
et la variété de la connerie générale de ce titre. Vous sentez l'amour en moi? Oui, il n'y en a pas. Ce petit cœur a cessé de battre. Il y a bien longtemps. Et ce schmuck ne le ravivra pas. C'est exactement ça. T'as envie de jouer pour être content? Non, là, je sens que tu vas jouer pour être énervé. Oula, 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 oula. Et vive les patterns de cases de 8 sur 8, hein. 16 sur 16, ouais, c'est ça. 16 sur 16. Donc le hitbox fait 16 sur 16. J'ai spoilé. Ne te laisse pas faire. You've got the power. No surrender. Regarde-moi cette équipe de winners que je fais à moi tout seul. Oui, c'est crashé. J'ai pas super suivi là. Ah, méfie-toi du pixel maudit. Petit con, là. Ah, mais il est attiré à partir d'un moment par inexorablement cette toile qui est en train de se construire autour de lui. Nous ne verrons jamais un boss, je suis désolé, les amis, car mon doigt va. Hop, par inadvertance, nous faire sortir du jeu, ce qui est vraiment fort dommage, puisque on était en train de friser le Nirvana, quoi. Scorpion, tu n'es pas validé. Non, tu n'es pas validé. Même si tes développeurs retrouvent mon adresse et m'envoient un chèque, tu demeureras non validé. Il y avait des idées. Ça, on peut pas le renier. Par contre, la raideur du gameplay, la répétitivité, c'est rude, quoi. C'est le truc... je pense que c'est une borne qu'on veut plus voir dans les fêtes foraines que dans les bars, parce que les cafetiers dans les bars, dès qu'ils voyaient le truc tourner, ils devaient dire non mais dégage moi cette merde quoi. Les gens ils vont mettre une pièce dedans, puis plus jamais ils vont le retoucher. C'est ça le principe de l'arcade quand c'est bien fait, c'est que t'as envie de remettre des pièces. Voilà, ça ne fonctionne pas vraiment, donc tu n'es pas validé Scorpion et tu vas gentiment aller au grenier dans la malle des shmups qu'on oublie, prendre la poussière et nous on se retrouve demain à 19h. Et secrètement, je vous avoue que j'aimerais bien m'extirper des années 80 pour retomber sur un vrai shoot qui envoie, quoi. À moins qu'on dévoile un shoot des années 80 extraordinaire. Suspense. Pour vous occuper les deux playlists habituelles, la généraliste, celle des shmups, et abonnez-vous, puisque c'est comme ça. À demain, 19h, ciao.